En manchette aujourd'hui, Renaud Loranger confirmé au poste de directeur artistique au Festival de la Noisière. Bonjour à tous. Bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 26 octobre. Le Festival de la Noisière, festival de musique bien connu, a confirmé la présence de Renaud Loranger à titre de directeur artistique de l'organisme jusqu'en 2027. Pour le festival, on peut parler d'une très bonne nouvelle. Donc, un festival aussi qui est présentement en mutation avec le déménagement du siège social de l'organisme au centre-ville de Joliette dans un nouvel édifice, soit la Maison de la musique René Charette. CTRB a rencontré M. Loranger dans les nouvelles installations du festival. Bonjour Renaud. Bonjour Daniel. Tu nous reçois dans la nouvelle bâtisse du festival, tout un changement de siècle, comme fait. Je disais tantôt. Oui. Vous êtes passé d'équipement de votre ancien espace datait de, faut le dire, dans J'allais le fond, de 76. Oui, c'est ça. On va dire du gros milieu du 20e siècle. Puis là, on est définitivement dans le 21e siècle, dans cette belle maison de la musique René Charette au centre-ville de Joliette. On a reçu aujourd'hui, hier, un communiqué comme quoi que ton contrat était prolongé jusqu'en 2027. Ouais. Est-ce que c'est une de tes raisons qui a motivé l'acceptation, à animer ce site-là, faire rayonner encore plus le festival, Bien le sûr. Faire vivre 12 mois par année? Bien sûr. Puis c'est aussi simplement, si tu veux, regarder un peu ce qui a été fait depuis 4 ans, 5 ans, puis se dire, bon, est-ce qu'on a les possibilités, les moyens, les ressources de continuer à faire ce travail-là? Puis la réponse est oui, évidemment, avec nos équipes, mais aussi avec toute la communauté lannaudoise, joliétaine, mais je dis, il ne faut pas dire joliétaine de façon trop exclusive. Oui, même c'est pour ça. Pour les gens d'Autriche, ça fait un peu... Mais il faut dire lannaudière. Il y a un rayonnement lannaudière. La communauté lannaudoise, là, au sens large. Les partenaires, les artistes, évidemment, puis... Bien, c'est clair qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Tu sais. Puis c'est ça qui est beau, c'est qu'on se dit, au fond, on a fait beaucoup depuis quelques années, mais il y a énormément à faire. Puis c'est presque comme si on commençait ou on recommençait à chaque année. Donc, c'est un processus merveilleux. Puis ce lieu-là fait partie, évidemment, c'est ça. Ça change un peu la saveur générale du festival. Puis je pense, en effet, que... ça va devenir un pôle aussi d'attraction à Joliette, à l'extérieur de la saison estivale, pour les gens, pour venir découvrir la musique avec des activités éducatives, bon, etc., etc. On planche là-dessus. C'est un beau projet, là. C'est un beau projet. Ouais. Ça te aussi conforte dans qu'est-ce que tu as commencé et qu'est-ce qui s'en vient, dans le sens que... T'sais, oui, t'es d'accord avec moi, je peux me permettre de dire « t'es ». Oui, bien sûr. Dans le sens, qu'est-ce que je veux dire, c'est que souvent, les directeurs artistiques arrivent, puis là, ils ont imprégné. C'est un peu comme un coach au hockey. Là. Ah, complètement. Ils imprègnent. Ouais, si on fait un parallèle, ça va bien les deux premières années, tout le monde s'aime, tout le monde est beau. Puis je ne veux pas dire une lassitude, mais il y a toujours des défis à un moment donné. C'est ça. Puis il y a un processus aussi, mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. Hein? Les choses dures, ou en tout cas, prennent avec le temps une autre couleur. Mais disons que c'est clair que la direction qu'on a prise depuis 4 ans ou 5 ans est la bonne, convient au festival, est parfaitement en phase avec son histoire, avec ses valeurs, son identité. Puis... malgré la pandémie, là, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire abstraction de ça, mais malgré la pandémie, il faut reconnaître qu'on a été tout à fait confirmés, confortés dans, justement, les orientations qu'on avait prises à partir de 2018-2019, parce que la réponse du public est excellente, la réponse des subventionneurs, évidemment, la confiance des partenaires aussi privés, corporatifs, commanditaires, etc. Oui. etc. Donc, on continue... sur cette lancée-là. Puis, en même temps, c'est sûr que ça me fait sourire, là, tu parles d'équipe sportive, tout ça. Il y a quelque chose aussi
qui a trait un peu à la chimie, là, tu sais, la manière dont les gens travaillent ensemble. Parce que c'est une des rares fois, là. Les idées qu'on peut développer ensemble. Puis personne n'est éternel non plus. Moi, je suis très heureux d'être ici, là, puis je me projette, on va dire, sur un horizon quand même assez vaste. C'est intéressant, parce que c'est une des premières fois que la direction artistique est aussi longue, là. Si on élimine le pérenniser, oui. Là. En effet. C'est quand même une preuve de stabilité et de vision, là, ouais. qui est importante. Tout à fait, on est d'accord là-dessus. Ouais. Donc, on s'en va vers quoi? Je suis sûre que, on se parlait de programmation 2024, tu ne nous dévoileras pas tout. Là. Non, on n'a pas. Non, non. Mais est-ce que ça te permet justement de pouvoir négocier 2024, 2025? Ah oui, bien disons, de vraiment stabiliser ça. Avec là. Un peu plus de. Peut-être de... je veux pas dire de flexibilité, c'est pas ça, mais oui, un peu plus d'autorité peut-être. Oui. D'autorité, parce que c'est-à-dire que là, c'est clair que la responsabilité de ces saisons-là m'incombe aussi. Et puis, bon, c'est ça, c'est qu'on est... Écoute, on peut facilement s'attendre à retrouver des gens qu'on connaît, qu'on retrouve au festival, j'ai envie de dire, presque chaque année. L'Orchestre symphonique de Montréal, évidemment, l'Orchestre métropolitain... que ce soit avec Yannick dans le cas de l'OM ou avec Raphaël Payaré, le directeur musical de l'OSM, avec des invités de grand prestige, avec des ensembles étrangers aussi qu'on aime recevoir, puis dont on aime à ce que le public québécois, canadien, puisse les découvrir. C'est ça. Dans les dernières années, on a eu... Les Arts florissants avec William Christie. L'année dernière, Leonardo Garcia à l'Arcon avec son ensemble qui s'appelle la Méditerranée. En 2022, on avait eu Académie pour la musique ancienne oui. de Berlin, dans une espèce de festival Beethoven dans notre festival. Donc, il va y avoir de ce genre de propositions-là aussi, évidemment. Puis, on continue de se concentrer sur la musique qu'on appelle la musique classique, évidemment, avec des propositions de répertoire qu'on espère éveiller l'intérêt du public. On essaie toujours de proposer des saisons équilibrées, j'ai envie de dire, dans lesquelles on retrouve un peu de tout pour chacun. Chacune, musique symphonique, musique de chambre, récital, chant, opéra, etc., etc. Donc, mais vous devriez déjà, le public devrait déjà en savoir un peu plus cette année avant Noël. Normalement, on va dévoiler une partie de la saison avant Noël, comme on a fait déjà par le passé, assez régulièrement, en fait. Mais depuis la pandémie, on ne l'a plus fait pour... toutes sortes de raisons, plus ou moins, on va dire, hors de notre contrôle. Moi, je comprends. Mais là, on retrouve un peu nos marques des années passées, puis on devrait dévoiler quelques concerts là, avant Noël. Ouais. Une partie... Ça s'en vient. C'est tout proche, là. Oui. C'est ça. Une partie de la mission, on pourrait dire, justement, du festival, je dirais, c'est démocratiser la musique classique. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu penses que les objectifs ont été atteints? Je sais que l'an dernier, il y a eu vraiment un rebrançage au niveau des tarifs, au niveau des activités et tout. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va continuer, là? Oui. Ça a apporté fruit? Absolument. C'est sûr qu'on fait face, tu vois, les institutions comme la nôtre, mais c'est pas que nous, là, c'est partout au Québec, puis j'ai envie de dire même partout en Amérique, font face à une situation post-pandémique un peu compliquée. Hein? On sait l'inflation, la hausse des coûts dans tous les domaines d'activité. Pour pas dire le dollar du divertissement. Puis en plus, voilà, c'est ça, ça touche, évidemment, ça touche, on va dire, notre structure de coûts à nous, mais ça a un impact, tu sais, toute la situation générale a un impact quand même sur la vie des gens. Les gens ont peut-être moins de sous pour, justement, le divertissement au sens très large, ou en tout cas, réfléchissent un peu plus à comment ils utilisent leurs ressources. Mais ceci dit, néanmoins, c'est crucial, essentiel, que les concerts du festival demeurent accessibles en termes financiers. Là. C'est-à-dire que, autant que possible, le prix du billet ne soit pas un obstacle à venir. À venir. Surtout, c'est vrai en église. Hein, nos concerts en église, c'est vraiment des concerts qui sont
abordables, qui ne coûtent pas très cher, puis lors desquels on peut vraiment entendre des grands, grands, grands artistes dans un contexte très intime, très privilégié, au fond très exclusif. Mais qu'on pense encore à l'amphithéâtre, un billet sur la pelouse à l'amphithéâtre, ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un billet de cinéma, on va dire. Non, ouais, ouais. Puis dans la salle, là, en bas, dans les sièges bleus, je devrais pas dire ça parce que c'est pas très élégant, mais je me permets de le dire à tes téléspectateurs, là, l'anneau d'oie. Parce que je pense que des fois, on s'en rend pas compte, c'est normal aussi, mais j'étais à Montréal hier soir à la Maison symphonique. Ça a l'air de rien, mais aller entendre l'OSM à Montréal, à la Maison symphonique, oh ouais, ça coûte énormément plus cher que de venir l'entendre chez nous à Lanaudière, tu sais. Fait qu'il faut penser à ça, il faut se dire qu'on est quand même très chanceux d'avoir tout ça. Puis nous, on s'assure de continuer à pratiquer une politique tarifaire accessible. Accessible, ouais, c'est très bien. Là, tu es ici, tu es à Joliette pour un certain, oui, temps. Là, j'imagine que tu retournes en Allemagne, là, oui, tu t'en vas écouter des concerts, tu as, oui, des contrats, des choses. Oui. Et comme tu disais, bon, ben, ça sécurise aussi, je pense, le musicien, ah, ou le chose, le fait que tu vas être là. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu t'en vas voir, que justement, tu aimerais amener? Je sais que je te pose la question au piège, mais est-ce qu'il y a des choses qui, tu dis, c'est quoi qu'on s'attend en Europe? Qu'il faut qu'il traverse. Non, mais c'est ça. Bien, énormément de choses, je te dirais. Il y a des choses qui tombent dans le domaine du désir, du souhait. Il y a des choses qui sont plus du domaine du rêve. Oui, bien, c'est ça. Il y a des choses qui sont plus du domaine de l'utopie, de, oui, l'impossible. Mais tout ça, quand mais même... Mais ça serait quoi, justement? L'utopie, l'impossible, façon... tu dis? Non, non, mais ben, de façon... mon rêve. De façon très concrète, si tu veux, parce que je côtoie beaucoup d'artistes, oui, au quotidien, des gens qui sont déjà venus, des gens qui ne sont pas venus encore, qui je vois là, dans les prochaines semaines, je vais être avec Alyssa Wallerstein, Michael Spires, le ténor américain qui est déjà venu deux fois, Lisa Batiashvili, qui pour moi est peut-être la plus grande violoniste du monde, qui est très proche de Yannick Nézet-Séguin, qui n'est jamais venue au Québec, donc c'est une grande amie aussi, j'ai eu la chance de travailler avec elle, dans la sphère discographique, ouais, depuis plusieurs années. Puis là, ça, je te dis ça, c'est juste les deux prochaines semaines. Ouais. Bon, tu sais, puis après, ça continue. Non, mais il faut être auprès des artistes, il faut les accompagner, puis il faut les, tranquillement, pas vite, les convaincre que ça vaut la peine de traverser l'océan en plein été, puis qu'ils vont être bien accueillis. Bien, ici, c'est ça. Que le public va être au rendez-vous, chaleureux, curieux. Mais ça, c'est vrai, ça se vérifie tout le temps. Je trouve qu'à Lanaudière, il y a quelque chose de merveilleux à cause du public. Ça, c'est la magie. T'sais, les gens sont curieux, ils sont contents d'être au concert, puis ils donnent aux artistes vraiment un accueil très, très, très chaleureux. Donc, si on résume, merci de rester encore avec nous au festival jusqu'en 2027 à convaincre, convaincre qu'il y a une très belle magie, qu'il se passe, oui, des belles choses. Puis oui, je pense qu'on va entendre fébrilement tes suggestions, oui, avant les fêtes. Si on a des cadeaux de Noël à faire, des choses à faire, si on veut, exactement, avant justement, oui, d'allouer notre, oui, budget, oui, cadeau, notre, oui, budget divertissement. Ah, ben, c'est ça. Attendons au mois de décembre, moi, voir les surprises. C'est ça, j'ai envie de dire aux gens, bien évidemment, venez chez nous, réservez-nous une place dans vos projets d'été. Non, mais merci surtout au public, hein, merci aux gens qui nous écoutent puis aux gens qui viennent nous voir pendant l'été. Le festival est là vraiment pour vous. Oui. Donc, on continue. Avec bon, grand plaisir. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Ben, puis on se reparle, on espère, ça va être quoi, au début décembre, on va être là. Absolument. Pour, ouais, parler de votre prochaine programmation. Super. Merci. Merci, merci. La ville de Berthierville a émis un avis public pour un usage conditionnel sur un lot, le 64-85-778. Mais pour vous situer, c'est sur le boulevard Lafayette. Ce lot est situé à l'arrière d'un nouveau bloc appartement construit récemment. Donc, ce bloc est situé au coin de Montcalm et de Lafayette. Si on regarde l'image derrière moi,
On voit le bloc en question, le 8 logements. Donc, vous avez devant ce bloc la rue Montcalm. Dans cette direction, c'est le boulevard Lafayette. Donc, à l'arrière du 8 logements, on vise la construction de 6 logements. Donc, ça ferait le coin Lafayette-Montcalm à Berthierville. Donc, pour obtenir cette autorisation d'un usage conditionnel pour la construction, eh bien, ça nécessite évidemment une rencontre où les citoyens peuvent se prononcer. Et cette rencontre, bien, les personnes intéressées à se faire entendre par le conseil municipal ont rendez-vous en lien avec cette demande d'autorisation d'usage conditionnel lundi 6 novembre, 19h30, à la salle du conseil municipal sur la rue Montcalm à Berthierville. Donc, on rappelle, c'est un projet de construction d'un immeuble de 6 logements. Donc, sur le lot qu'on vient de vous mentionner, dont la façade de ce 6 logements serait sur le boulevard Lafayette. Également, la ville de Berthierville vous invite, citoyens de la municipalité, à vous inscrire à un concours, bien plus un tirage au sort, donc, dont le thème est « Berthierville s'illumine ». Les citoyens de Berthierville sont en effet invités à illuminer leur résidence, illuminer leur coin où ils demeurent, et en installant donc des décorations de Noël extérieures, et ce, dès maintenant. Évidemment, les gens doivent s'inscrire avant le 11 décembre, c'est bien ça. 11 décembre, 16h30, il faut s'inscrire à l'Hôtel de Ville, au site de la ville de Berthierville, sur l'Internet. Donc, il faut être propriétaire, locataire ou encore propriétaire ou locataire d'un commerce. Donc, résidence ou commerce, on vous invite à vous inscrire. Il y aura des prix, effectivement, il y aura des prix. Le premier prix sera de 150 $. Il y aura 7 prix de 50 $. On veut que Berthierville ait des airs de fête, dans le temps des fêtes. Donc, on vous invite à décorer votre résidence ou votre commerce. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous alimenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Petro-T sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 26 octobre, les anniversaires à souligner, tout d'abord, oui, donc la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Julie Cardin-Beauchemin, à Gilles Courchêne, à Lisette Coulombe et à Gertrude Champagne. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 26 octobre, et bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Un petit rappel, clinique de sang à Berthierville, organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 29-28.
en collaboration avec l'école Pierre de l'Estage et l'entreprise Cascade, mercredi 1er novembre. Évidemment, il faut prendre rendez-vous. Donc, ça se déroulera à l'école secondaire Pierre de l'Estage. Et on vous invite à prendre rendez-vous si vous voulez donner de votre sang, faire un geste fort important. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur emma-quebec.qc.ca pour vous inscrire ou encore composer le 1-800-343-7264. Donc, on vous invite à être généreux. Également, on rappelle la réunion mensuelle des filles d'Isabelle de Berthier. C'est le 1er novembre à 13h30. Donc, les membres des filles d'Isabelle de Berthier ont rendez-vous le 1er novembre prochain à 13h30. On y va maintenant avec les petites vues au Centre d'action bénévole d'Autré. Donc, il y a plein d'activités au CABA, mais le film « Le bonheur pour les débutants » sera présenté mercredi, le 1er novembre, 13h30, une comédie, un drame, une romance. Donc, on regarde une bande-annonce et inscrivez-vous au CABA pour y assister. Si je suis ici, c'est parce que je viens de divorcer. Je me suis inscrite parce que je voulais essayer de relever de nouveaux défis et repartir à zéro. T'auras plein de badges et tu vas te faire plein de nouveaux amis. C'est un trek de 2 semaines pour adultes. Ouais. D'accord? C'est pas un camp de vacances. Pas de badge du meilleur archer? Non, il n'y aura pas de tir à l'arc. Ok. Ça va bien tout le monde? Nous allons traverser le Connecticut en suivant le sentier des Appalaches sur 82 km. Regardez bien autour de vous. Voilà votre équipe. Allez, on se motive. Ouh. Je te sers un café, Hélène. Oui, merci, mais c'est Hélène et pas Hélène. Ah oui, Hélène. Moi, c'est Yui. J'ai assez classé secret défense. Les jeunes, désolé, elle ne se couche pas. Je compte faire vœu de silence tout le long du trek. Allez, on y va, suivez-moi et on reste groupés surtout. Il y a beaucoup d'ours par ici ou ça va? Dans la nature sauvage, tout peut arriver. Est-ce qu'il y a de gros chiens errants? Drôle de question. Non, ça m'étonnerait. J'ai cru qu'il se passait quelque chose entre vous deux. Oh non, 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 non. On se connaît depuis très longtemps. C'est le meilleur ami de mon petit frère. Pourquoi tu t'es inscrite? Ce genre de trek, c'est dangereux. Il y a toujours plein d'accidents graves. Ouais? Voici Hélène 2.0. Et cette Hélène, elle s'en bat les ovaires du danger. Comment t'as fait pour tomber sur le rocher le plus tranchant de la forêt? Je gère, c'est bon. Merci. Pourquoi t'as voulu faire ce trek? Je crois que j'étais arrivée à un point où j'en avais marre d'en avoir marre de moi. Tous les soirs, avant de dormir, je liste 3 choses positives de ma journée. Et ça, ça provoque le bonheur? T'arrêtes pas de plaindre que ton divorce prenne beaucoup de temps qu'il s'accroche à toi, mais moi, ce que je vois, c'est le contraire. Pourquoi tu te comportes comme un petit ami jaloux d'un seul coup? T'étais beaucoup trop bien pour lui. Si jamais tu l'aimes, tu devrais le lui dire. Tu sais, Mère Nature fait des merveilles. Ou alors, c'est l'amour. Je me souviens à quel point t'adorais ta vie à l'époque. Tu riais tout le temps. J'étais jeune. Mais t'es toujours jeune. Parfois, on l'oublie, mais la vie n'est pas toujours tendre avec nous. Il faut trouver un moyen de faire face. Et on y va. Allons maintenant à la pause. Centre d'hébergement de Repentigny, le 14 octobre, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Marina Saint-Laurent, conjointe de M. Edmond Garneau, demeurant à Repentigny. Elle laisse dans le deuil sa fille, Denise Desrosiers, ses petits-enfants, Audrey et Alexandre Beaulieu, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, autres parents et amis.
La famille vous accueillera vendredi 27 octobre de 19 à 20 heures, voilà, à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. À la Villa Berthier, le 10 octobre, à 98 ans, est décédé M. Rosaire Fafard, époux de feu Véronique Massé, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gaétan Fafard, Daniel Duguay, Michel Fafard, Francine Chenevert, feu René Fafard, Daniel Fafard, Sylvie Touchette, Mario Fafard, Joanne Sylvestre, Alain Fafard, Viviane Bonnet. Ses petits-enfants, Julie, Karine, Billy, Tommy, Éric et Alexandre, Mélanie, Audrey-Pierre, Jérémy, Michael, Samuel, Valérie et Mylène. Ses 19 arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils Nathan et son arrière-arrière-petite-fille Émilou. Ses belles-sœurs, Claire Massé, feu Maurice Brûlé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, Lise Linco, feu Viateur Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour son dévouement envers M. Fafard. La famille vous accueillera dimanche 29 octobre dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 heures. M. Fafard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo en ce jeudi après-midi. Aujourd'hui, ce sera nuageux avec averse, une température de 18, un temps ressenti de 21, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera de la pluie avec une température de 15, un temps ressenti de 15, environ 5 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 1 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 14, un temps ressenti de 13, moins de 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 18, un temps ressenti de 22, environ 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 17, un temps ressenti de 16, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été des nôtres pour ce bulletin d'information du 26 octobre sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur, aux pépites. À demain! La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. Deux clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV pour parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de chenoute de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.